Les amis, aujourd'hui on se re... donc là maintenant on se retrouve pour Cocoto Platform Jumper, qui est aussi un jeu auquel j'ai joué étant très petit. J'avais redécouvert ce jeu donc dans la nostalgie la plus totale. Et donc, eh bien, nous allons jouer à ce jeu qui me paraît assez important dans mes petits jeux de détente. Je ferai un short play, donc un let's play court, parce que c'est un jeu court en fait. Donc je ferai un short play sur ce jeu. Je me rends compte que le jeu est hyper fort. Et donc nous allons jouer à Cocoto Platform Jumper et voir de quoi il en retourne dans notre nostalgie. Il y en a peut-être qui ont déjà joué à ce jeu, il y en a qui ont peut-être jamais joué à ce jeu, qui n'ont peut-être jamais vu la licence, donc je vous la ferai découvrir. Et du coup, eh bien c'est parti. Et voilà les amis, nous allons jouer à ce jeu. Du coup, c'est parti pour découvrir un jeu qui se base sur la plateforme. Il y a un peu d'aventure, mais faut savoir quand même que c'est un jeu de détente qui peut devenir un jeu de rage, mais qui est à la base un jeu de détente. Non, en fait, je flippe parce qu'il y avait une ombre. Mais c'était en fait la chaise. Bref, du coup, nous allons jouer. Et bah voilà, comme j'ai dit, ça peut devenir de la rage, mais c'est basé sur un jeu de détente, basé sur la plateforme également. C'est assez classique, mais vous verrez, c'est assez sympa comme jeu quand même. Du coup, c'est parti. Yes, I know how to play. Ah, know how to play. Ah oui, on est violent dans le jeu quand même. Faut peut-être pas l'oublier. Oui, commence pas par contre à faire des trucs. En mode, on ne sait pas jouer parce que bon, je sais quand même jouer à ce jeu, hein. Mais pas média. Regardez, je peux frapper! Oui, parce qu'il est connu dans ce jeu qu'on puisse jouer à la boxe. Mais le jeu! Merci le jeu! Quel abruti. Voilà, quand je vous disais que c'était un jeu de détente, c'est vraiment de la détente, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette petite ambiance, parce que c'est de l'ambiance de détente. Voilà. On se casse pas trop la tête aujourd'hui, vous voyez. On est un peu posé, on est un peu tranquille. Voilà. J'avais envie de faire comme ça, des petites vidéos un peu plus détentes, un peu plus sympathiques, pour changer un peu d'habitude, ou des vidéos brutales, avec des jeux, des let's play, des insultes et tout, bref. Un peu de détente, vous comprenez? Du coup, à partir d'aujourd'hui, nous allons parler dans le calme le plus total. Nous allons parler calmement, vous comprenez? Bonjour. C'est un racaillou. Je savais pas qu'il y avait un racaillou dans le jeu. Fantôme! Ah. Tu
fait mal, apparemment. Tu fais mal, le fantôme de Luigi's Mansion. Comment ça, c'est pas un fantôme de Luigi's Mansion? Bien sûr que si, que c'est un fantôme de Luigi's Mansion, ça se voit, non? Ah, merde. Alors, eux, ils sont un peu plus chiants, parce que eux, ils ont tendance à t'attaquer et à monter, également, en plus de descendre. Et ils sont pas aussi cons que les verts. En même temps... Bonjour, ceci est un point de sauvegarde. Ah oui, ça glisse par ici. Ah oui. Le monde qui glisse. Oh mais non. J'arrive à le toucher. Bonjour. Je veux une pomme d'or. Parce que vous savez tous que vous êtes mes petites pommes d'or, vous aussi. Alors je veux une pomme d'or. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Je vais pouvoir enchaîner plein de trucs. Oui. Oui. Oui, je peux pendant un laps de temps enchaîner, oh merde, enchaîner mes ennemis. C'est trop bien. Bonjour la fée. Oui, parce qu'on a des diablotins qui sont amis avec des fées. Qui l'eût cru? Puis-je comprendre ce que tu fais là? Violent ce jeu par contre. J'ai encore pris des pommes d'or, j'ai 7 pommes d'or. Ce qui veut dire que j'ai 7 abonnés. Parce que oui, vous êtes des pommes d'or pour moi. Vous êtes mes pommes d'or, voilà. C'est dit. Ou mes loulous aussi, ça marche bien. Je sais pas pourquoi je vous appellerai mes loulous en fait. Oh purée, il m'attaque. Et c'est ainsi. Ah, t'es nul quand même, Racaillou. Oui, par contre, c'est fou comment on one-shot absolument tout dans ce jeu. Ah, bah, tout. Tout dans ma compréhension limitée qui est les boss. Parce que les boss, c'est la seule chose que tu ne peux pas one-shot. Hein. Le reste, tu le one-shot au KM. Et encore que même les boss, t'es capable de les battre facilement. Et pourquoi j'ai plus de pommes d'or? Parce que je me suis fait toucher. Oh non. C'est comme dans Sonic. Mais c'est des pommes d'or à la place des rings. J'ai perdu plein d'abonnés. Parce que je suis mort. Oh là là. Alors, je pense que je couperai quand même en plusieurs vidéos. Parce que c'est plus fun. Quand je disais qu'ils savent monter, eux... Maintenant, est-ce qu'ils savent monter à travers des plateformes? Non. Mais ils savent monter, par contre. Ah. Écoute, j'ai réussi à tuer des fantômes. Je suis content. C'est bien de tuer des fantômes. C'est trop cool. D'accord. Il m'a même pas vu, quoi. Lui, il m'a vu, mais un quart trop tard. Ah ouais. Ah oui, à partir de là, en fait, tous les mobs, ils disparaissent. Oui, donc je disais que je vais couper en deux vidéos. Une vidéo Scooby-Doo, une vidéo Kokoto. Voilà. Donc là, ça va être la quête des abonnés. Il va falloir que je trouve un moyen d'avoir plein d'abonnés. Et là, si je me suis au score, je suis censé avoir 28 225 abonnés. Apparemment. C'est le niveau bonus ou c'est le... Il y a encore un niveau. Ah, c'est le niveau bonus. Ah non, il y a encore un niveau. Excusez-moi. Il y a un dernier niveau. Bienvenue dans Mario. Dans lequel je peux foncer sur absolument tout ce qui bouge. Sans le moindre problème.
parce que tout est beau. Tout est beau chez les diablotins de ce jeu. Ce jeu, de ce jeu magique. C'est pas grave, au moins je récupère un abonné. Alors, si je puis me permettre, les sauts de ce jeu sont assez abusifs. Ah oui, d'accord, oui. Alors désolé si des fois je recule ma tête, mais c'est juste qu'à cause du téléphone, je vois pas beaucoup l'écran. J'ai perdu une pomme d'or. Ah, la tristesse. La tristesse d'un youtubeur, j'ai perdu un abonné. Bah maintenant, vous savez pourquoi Goldlane? Ah super! Effectivement, c'est comme Sonic. Ça veut dire qu'à chaque fois que je meurs, je perds mes abonnés. C'est triste! Bon, en fait, je pense que c'est plutôt le score, mes abonnés, en fait. Hein. Ouais. Ça me paraît logique. Franchement. Bah non, ça augmente pas le score, le fait d'avoir des trucs dorés comme ça. Du coup, c'est vraiment mes pommes d'or. Du coup, j'ai pas beaucoup d'abonnés à chaque fois. Hein. En fait, c'est le nombre d'abonnés qui regardent ce moment de la vidéo. C'est pour ça. Là, genre, il y a un abonné qui regarde cette vidéo. À ce moment-là, précisément. Et là, à la fin, à la toute fin, ils sont trois. Et là, tu vois, à la toute fin, ils sont deux quand même. Faut pas déconner. Du coup, ils sont deux à la toute fin de la vidéo, quand même. Enfin, à la toute fin de cette partie. Du coup, je sais comment on fait pour le battre. Hein. Oh, ça va passer. Mais vas-y. Protégé par la force obscure. Le côté obscur de la force. J'ai protégé mes abonnés du terrible fantôme violet. C'est de la détente. Hein. Eh bien, je ne vais pas vous spoiler hein, plus que ça. Nous allons pouvoir nous arrêter ici pour cette magnifique vidéo qui a duré quasi une demi-heure, mais qui pour vous va durer entre 20 et un quart d'heure, parce que, enfin 20 minutes et un quart d'heure, parce que j'ai décidé de... non, en fait, elle va faire 40 minutes, je crois, mais... Étant donné que j'ai décidé de couper en deux parties, ça ne fera rien pour vous. Bref, nous allons nous arrêter là pour cette magnifique vidéo, mais pour vous, ce sera pour ces magnifiques vidéos. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo sur Scooby-Doo vous aura plu. J'espère que cette vidéo-ci sur Kokoto vous aura plu également. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir cette licence, que vous apprécierez ces deux jeux-là, que vous voudrez que j'en fasse des let's play. Et je vais éteindre ça, et je vais éteindre ça pour finir, voilà, parce que cette... voilà. Du coup... Eh bien, nous allons arrêter cette vidéo ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, laisser des commentaires, ça fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à dire si vous voulez que je fasse des let's play sur Scooby-Doo, le livre des ténèbres et Kokoto Platform Jumper. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne YouTube. Vous pouvez également partager les vidéos, et du coup, enfin les vidéos, et du coup, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Oui, ciao, ciao, voilà, ciao, ciao, mes petites pommes d'or!